Hey, et donc salut à tous amis, c'est gogo 08 On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 sur le mode pack Project Ozone 3. Alors, normalement, oui, j'avais dit l'épisode 6 dans le dernier épisode, mais vu que mon épisode, mon vrai épisode 5 a bugué, j'avais fait cette tour un mob là. Euh, du coup, bah, c'est celui-ci, l'épisode 6. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer du apply energetic. Alors, un petit apply vraiment tout petit petit, c'était juste pour regrouper un peu toutes nos ressources et avoir euh, nos ressources à un seul et unique endroit pour pouvoir faire des crafts plus rapidement au lieu d'aller chercher tout dans les, dans les différentes crates. Et après, aller sur une table de craft. Là, on va se faire un mini applied. Comme ça, on pourra avancer là-dessus. Alors, ce que j'ai fait hors caméra, euh, ceux qui, ont, qui ont bien regardé au début de l'épisode euh, 5, du coup, euh, je l'ai fait parce que c'était j'ai tourné ça un peu plus tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis vite fait euh, pas mal de graines ici, grâce à la milardon. J'ai pu récupérer les graines en 10-10-10 directement, celles que j'avais faites et d'autres que j'ai fait hors caméra. Donc, euh, j'ai jeté ceux que j'avais ce, que, que avant. Et du coup, euh, j'en ai posé quelques-unes. Alors, il y en a encore dans mon coffre ici, mais c'est celle que je vais avoir le plus d'utilité pour le moment. Alors, j'ai fait ça pour le moment. Mais ça changera, j'ai peut-être peut d'autres idées. On verra bien, on sera peut-être un, un gros endroit avec les graines, euh, avec un, un genre d'endroit central euh, de, de, de traitement. On verra bien, euh, on verra bien comment, comment on va faire ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous allons voir du Applied Energistic. Et donc, pour commencer Applied, on va aller tout simplement dans notre livre de quête. Dans l'endroit euh, qui demande Applied, c'est, euh, si je me souviens bien, voilà, c'est raw, c'est c'est et donc il va nous falloir commencer tout ça petit à petit. Alors. La première quête qui nous avait demandé, c'était du Certus Quartz. Ça, j'en ai eu grâce à mes cifs qui sont juste en bas à gauche. Du euh, Certus Quartz Dust et tout ça, ça c'est facile à avoir. Le Flux Dust, j'en avais eu grâce à l'ardon qu'on qu avait mis dans mon pulvéris, je lui avais volé. Mais on va faire tout ça ensemble. Alors, comment ça fonctionne C'est très simple. Il va nous falloir, dans un premier temps, euh, du Certus Quartz. Charge Ed. Du Nether Quartz. Comme ceci Et il va nous falloir de la redstone on va aller récupérer aussi un stack de redstone voilà il va nous falloir une petite source d'eau alors ce que je vais faire c'est très simple euh, c'est très simple c'est très simple on va aller à un endroit euh, un endroit un peu bizarre, c'est dans notre ferme ici. Et on va jeter tout ça à l'intérieur. Normalement, quand on jette ces choses-là à l'intérieur, on va obtenir, au bout d'un moment, voilà, du Flix Crystal. Voilà, on en, a, on en a deux stacks, donc ça c'est nickel. Quest complete. Nickel tout ça. Nickel, nickel. Ce que je vais faire, c'est aller récupérer ici mon pulvériseur que je n'ai plus besoin. Maintenant, je n'ai plus besoin de mon pulvériseur ici parce qu'on va changer, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, notre façon de, de produire tout ça. Donc, je vais le poser ici et on va pouvoir se, se mettre à l'intérieur un petit peu de flux cristal pour avoir du flux dust. Donc, voilà, c'était la manière pour avoir du flux dust. Ça, c'est fait, c'est nickel. Bon, maintenant ça c'est bien beau, mais pour commencer à play, il, il va nous falloir plusieurs choses. Alors on a ici le chargeur. Le chargeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire le charger de Certus Squad. si vous n'en si obtenez pas énormément. Donc ce n'est pas obligé de le faire, moi je vais le faire, c'est juste pour la quête, parce que clairement on ne va pas en avoir besoin. Donc comment il se craft, il va nous falloir de l'iron, de l'iron en masse, toujours hein, beaucoup, beaucoup d'iron sur du apply energistique. Voilà, on a le chargeur. Le chargeur, une fois que vous le posez... Un niveau que c'est qu'on a de l'énergie donc ici par exemple voilà juste ici et si vous mettez à l'intérieur du euh, quartz du quartz de base par exemple celui ci si vous le posez là au bout d'un moment il va se charger et on va obtenir du euh, chargé de certus quartz alors j'ai peut-être voilà c'est peut-être pas c'est peut-être pas relié aussi c'est peut-être le problème c'est que ici c'est pas relié il me faudrait un endroit euh, un endroit un peu mieux <laughs> faudrait un endroit un petit peu mieux pour le pour les relier mais bon c'est pas bien grave c'est pas le sujet de la aujourd'hui ça vous l'avez déjà vu masse fois donc on va pouvoir le ranger voilà Ok, c'était surtout pour faire la quête. Ça c'est fait, le chargeur c'est nickel. Ok, bon, maintenant commençons à Applied. Alors Applied Energistic fonctionne avec des circuits. Sur Project Ozone 3, les circuits, donc les inscriber euh, press, donc ceux-là, -là, inscriber engineering press, inscriber logic press, inscriber calculation et le silicone, ils se font grâce à Mystical Agriculture et le silicone ou différentes choses. C'est-à-dire qu'en fait ici, on a besoin pour l'engineering de diamants. donc c'est de euh, du diamant par contre il va nous falloir les essences de certus quartz ça tombe bien j'ai la graine de certus quartz qu'on avait faite ensemble allez monter 10 10 10 allez juste ici voilà on va faire un petit patch hop de neuf et regardez tout ce qu'on obtient quand même un stack et demi donc c'est amplement suffisant on va aller chercher tout ce qui va nous falloir donc c'est à dire un diamant il va nous falloir aussi du silicone ça on va aller en récupérer euh, donc silicone il va nous falloir du gold Ok, bah tout, ça va, ça va aller. Bon, le silicone aussi, j'ai la graine. elle est juste ici, on va pouvoir le récupérer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, grâce à cette graine, on va pouvoir avoir du silicone en masse sans faire de process. Ok. Bon. Eh ben, si on fait ça et si on fait ça, boum, on obtient du silicone. C'est de nuclear craft, mais ça fonctionne très bien aussi. Ok. Du coup, si je fais ça. Et si je l'entoure de euh, certus Essence, on obtient l'Inscriber Silicon Press. On fait la même chose avec le diamant. Hop, on a l'Engineering Press. Maintenant si je fais avec le gold, on obtient bien évidemment hop le logique, et il va nous falloir le dernier qui est le calculation. Le calculation, il va nous falloir un pur Certus Quartz. Alors, le pur Certus Quartz, comment on fait ça C'est très très simple. Alors, on va déjà poser un petit peu de, de, de silicone, on va en garder juste un, un poil sur nous. Voilà. Euh, comment on fait le. Pure Certus Quartz, c'est très très simple comme je l'ai dit, il va nous falloir tout simplement ces choses là, les Crystal Growth Accelerator, alors si on regarde Crystal Growth Accelerator, alors si je l'écris bien ça serait mieux, Crystal Growth Accelerator, alors on a le Crystal Growth Chamber de euh, AE2 Stuff, donc c'est celui qu'on va faire, mais pour ça il va nous falloir 6 Crystal Growth Accelerator, Ok, pour ça, c'est très simple. Il va nous falloir du verre, du flux bloc, euh, du quartz, euh, du quartz glace. Donc, pas mal de choses, mais ça, c'est facile à faire. On a ici du crochet de quartz. On va pouvoir le récupérer. Il va nous falloir de la redstone. Ok, euh, comme je l'ai dit, il va nous falloir du flux cristal. Il va nous falloir du verre aussi. Donc, ça, on en a. Nickel. On va pouvoir. Commencez tout ça. Alors déjà dans un premier temps il va nous falloir faire des M glace. Pour ça, il va nous falloir des euh, quartz fiber, voilà, qui se craftent comme ceci. C'est une quête normalement les quartz fiber. Euh, je crois, si je me souviens bien, ouais, quartz fiber, c'était une quête. Voilà, et il va nous falloir les ME glass. Ok, ME glass, comment ça se fait C'est avec du frizz qu'on met comme ceci et ça nous fait des ME glass euh, cable. Ok, nickel tout ça. Maintenant, il va nous falloir les quartz glass. On va en faire quelques-uns. Voilà, ça peut toujours être utile. Il va nous falloir donc 6 comme ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nickel. Et il va nous les falloir... Enfin, il va falloir maintenant faire ça. Si Crystal Gross Accelerator. Génial. Génial, génial. Maintenant, il va nous manquer plus que deux choses. Il va nous falloir tout simplement un coffre. Euh, hop, voilà. Un coffre. Boum. Pour faire un hooper. Ok. Il va nous falloir un deuxième coffre. Pour euh, tout simplement euh, faire la, ch la chambre de, euh, de Crystal Gross Chamber. Là. Hop, Crystal Gross Chamber. Nickel. Donc ça, comment ça fonctionne C'est très simple aussi. Vous avez besoin juste d'énergie. Euh, par contre, il va nous falloir l'énergie d'Applied. Hop, alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement un énergie Acceptator. Énergie Acceptator. Comment ça se craft C'est très simple aussi. Il va nous falloir du Quartz Glass. On a tout mangé. Voilà, Quartz Glass. Boum, boum, boum. Énergie Acceptator. Ok. Bon. Bah, nickel tout ça. Nickel, nickel. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est bouger ça. Et le changer de place, on va, le, on, va le, on va le changer de place, on va le mettre ici pour le moment. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est récupérer bah, tout simplement ici mon euh, Crystal Grosh Slamber. Ok, qui normalement, euh, pas, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce qui fait C'est l'énergie acceptator que je voulais. L'énergie acceptator, alors par contre, au niveau énergie, ça n'augmente plus. Pourquoi ça n'augmente pas C'est parce à mon avis, en dessous, j'ai pas mis en in. Voilà, c'est mieux ici. Quand on met en input, ça fonctionne d'un seul coup mieux. Ok, donc ça c'est nickel. On va pouvoir poser par exemple le Crystal Gross Chamber juste au-dessus. Et à l'intérieur, comment ça fonctionne C'est très simple. Il va vous falloir tout simplement des Certus Quartz Dust et du sable. Il va vous falloir du sable. Donc on va récupérer ici du sable. Vous faites ça et vous faites ça. Vous allez obtenir des, euh, des Certus Quartz Seed. Ces Certus Quartz Seed, quand on les met dans la chambre. Ici, ça va pousser petit à petit et à la fin, vous allez voir qu'on va obtenir du pur Certus Quartz. Donc voilà, on a obtenu ici le pur Certus Quartz Crystal. Alors, <laughs> j'ai le chunk d'activé parce que j'ai hors caméra. Alors, vous avez vu déjà, j'ai bougé ça et, et j'ai ouais, j'ai euh, j'ai craqué. <laughs> j'ai craqué je me suis fait une grosse source d'énergie <laughs> on, on s'crée l'énergie plus tard mais le, le mieux c'est ça regardez la vitesse de la création de l'ave alors oui ouais, j'ai multiplié mon truc par, euh, par beaucoup euh, comme ça on génère pas mal et puis euh, c'est cool euh, c'est cool, bon notre système de stockage d'énergie Ça sera pas ce basic énergie cube On passera sur du under IO un peu plus tard Mais pour le moment, voilà, donc on a notre Pur, et donc pourquoi on voulait notre pur Certus Quartz, tout simplement pour faire L'inscriber Donc tac 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 tac, voilà On a tous les euh, inscribeurs De euh, Inscriber press, ok on a les 4, bon ça c'est cool c'est génial. Euh, du coup, on était dans RAW. On a tout ça de complete. On va pouvoir complete le euh, Crystal Gross Accelerator, le euh, Crystal Gross Chamber. Il va nous falloir quoi d'autre maintenant Il va nous falloir aussi. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va pouvoir claim déjà tout ce qu'on a. Ça, c'est bon aussi. Maintenant, 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 qu'est-ce qu'il va nous falloir Il va nous falloir les inscriptions, donc les inscribeurs. Alors pareil, Inscriber, on va en avoir plusieurs types. On a celui d'Apply de base et on a aussi l'Advance Inscriber. L'Advance Inscriber, euh, à quoi il va nous servir Il va nous servir tout simplement à... Euh, bah, Déjà, l'automatiser, c'est plus simple et on peut l'augmenter en vitesse. Donc nous, on va déjà faire l'inscriber de base parce qu'il va nous en falloir un pour faire l'advanced Inscriber. Donc c'est parti. L'inscriber, comment il se craft Il nous faut des pistons. Donc pour ça, il va nous falloir de la cobble, j'en ai. Du bois, j'en ai aussi. Voilà. Sur le bois, j'en ai en masse. Euh, redstone, j'en avais utilisé pas mal parce que j'ai dû faire les... Les générateurs, donc c'est ça, c'est bon. Euh, piston, paf, il va nous en falloir deux, deux, euh, ouais, deux pour le moment, ok. Il va nous falloir des euh, slime balls, ok, nice, paf, paf et paf, ça c'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Et du coup, il va nous falloir plus que le euh, Flix qui est juste ici. Voilà, on va pouvoir faire l'inscriber. Une fois l'inscriber fait, on va pouvoir le poser pareil à côté, euh, à côté de l'énergie acceptateur. Et à l'intérieur, on va pouvoir commencer à faire nos différentes, euh, nos différentes euh, parties. Alors, il va nous falloir lequel Il va nous falloir l'engineering il va nous falloir le silicone on va aller chercher un petit peu de diamant. Voilà. Et donc, on va commencer à faire tout ça. Alors, silicone. Plus du silicone qui est juste ici voilà tac on va pouvoir commencer à se faire des silicones euh, des silicones euh, printed silicone ok il va nous en falloir combien il va nous en falloir deux au total pour pouvoir faire l'advanced inscriber donc on va en faire deux voilà et ensuite on va mettre l'engineering on va faire la même chose on va faire deux engineering ensuite vous allez voir c'est juste de l'assemblage c'est très simple alors je refais à chaque fois que je fais du applied je refais un tuto parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui me découvrent et qui ne connaissent pas Applied. Je sais qu'à Applied, beaucoup de gens ont du mal. Donc euh, je vous réexplique à chaque fois que, que je le refais. <laughs> je suis désolé. Mince, euh, pourquoi je l'ai cassé Pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Hop, Ensuite, donc, on l'assemble. Il va nous falloir donc ça, ça et ça. Voilà. Donc on assemble les trois. Un PrintEd Engineering Circuit d'une Redstone et le PrintEd Silicone. Ça nous fait tout simplement l'engineering processor. Ok, regardez l'intérieur. Voilà, Engineering Processor, nickel. On va pouvoir le récupérer et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on va pouvoir tout simplement eh ben, le faire évoluer. Bon, ce n'est pas un Pokémon, mais on peut le faire évoluer quand même. Hop, voilà. Tac, tac, boum Advanced Inscriber. L'Advanced Inscriber, pareil, on va pouvoir le poser ici. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est très simple. C'est très très simple. On va pouvoir récupérer par exemple un stack de silicone, lui mettre un stack ici et lui mettre le silicone press Et là, ça va me faire le stack en entier au lieu de les faire un par un. Ok, et ben bah, super tout ça. Alors, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est stocker nos items. Et pour stocker nos items, quoi de mieux que un M Drive pour ranger tous nos disques durs. Alors. M.E. Drive, comment on le craft C'est très simple, il va vous falloir des Engineering Processors, c'est ce qu'on va se faire juste après, des Engineering Processors, des M.E. Glass et des Iron got Donc ça, il va falloir le crafter. Il va nous falloir aussi un M.E. Crafting Terminal. Alors, M.E. Crafting Terminal. Alors, je, je vous montre un peu tous les crafts parce qu'il va falloir que je fasse des, des, des processeurs. J'ai fait les, déjà des logiques tout ça, donc on va bien voir les autres. Pour faire cela, il va nous falloir toutes ces choses-là. Donc on va peut-être pouvoir faire déjà... Le ME Crafting Terminal. Pour ça, il va me falloir un terminal. Il va me falloir un Illuminated Panel. Pour ça, rien de plus simple. Du vert, ok. Et du quartz. Ok, ça c'est good. et On va pouvoir le crafter. Boum, boum, boum. Ok. Alors à chaque fois, je tombe jamais sur le bon. Ah si, c'est bon. Il va me falloir de la Glowstone et du fer. Donc hop, Glowstone, on en a une ici. C'est suffisant. Et il nous en faut pas plus pour le moment. Ah, si, il nous en faut deux. <laughs> Je fais non, mais c'est bon là. Il y en a assez. Ah, pas du tout. Pas du tout, il nous en faut deux. Du coup, c'est parti. Hop, Illuminated Panel. Paf, paf, paf. Ok. Du coup, pour faire le, euh, le ME Terminal, il va nous falloir des logiques processors. Pour ça, il va nous falloir du Flux Dust et du Nether Quartz. Et ici, il va nous falloir du Flux Dust et du Certus Quartz. Ok. Certus Quartz on en a ici du comme ça mais c'est pas celui, celui ci que je veux. moi c'est le voilà le flix qui est juste ici hop on en avait crafté et il va me falloir du certus quartz comme ceci ok nether quartz est-ce que j'en ai j'en ai ici c'est good ok nice il va me falloir une table de craft aussi par la suite voilà donc on va pouvoir crafter tout ça donc hop ok hop ok tac euh, tac et tac boom et enfin, tac et tac. Il va me falloir le calculation. Donc, on va faire ça. Hop, hop. Tout ça, on va pouvoir les poser pour le moment. On n'a plus trop besoin. Où voilà. est Donc, là, c'est en train de me faire des printemps de calculation. Je vais faire les autres circuits. Et on va se retrouver pour la suite. Maintenant qu'on a tous nos circuits, on va pouvoir passer au craft. Il va nous falloir ici un calculation pour avoir notre ME Crafting Terminal. Super, tout ça. Super, super, super. Bon. Et bien, comment ça fonctionne Ça va être très simple. Déjà, le ME euh, Drive. Tac, tac, tac. On va le crafter aussi, tout ça. Ça, on va pouvoir le poser. On va pouvoir poser aussi tout ça. Euh, ça, parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Tac, ME Drive. On va pouvoir le crafter. Il va nous manquer juste les ME Glass. Voilà. Boom. ME Drive. Ok, nickel. On va le poser juste, euh, juste ici. Voilà. On va poser ici un câble. Et on va mettre le ME Crafting Terminal juste ici. Nickel. Et maintenant, ce qui va nous manquer, c'est tout simplement. Alors, on va déjà récupérer tout ça. Hop, voilà. Boom ok. Et enfin, ça. Qu'est-ce que. Oh On prend lesquels Calculation, Engineering, euh, Logique. Logique, on en a besoin de masse, mais c'est de l'or. On... Ça va, alors on en a pas mal. En vrai. En vrai, je vais prendre quand même prendre les logiques je vais quand même prendre les logiques parce qu'on va en avoir besoin de masse au début euh, au niveau des, des logiques donc ça c'est cool ok donc ce qu'il va nous falloir maintenant c'est très simple c'est très très simple euh, ça va être tout simplement euh, de faire voilà les euh, storage companions alors on en a plusieurs on va faire les 1k pour un début c'est amplement suffisant. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est pour ça que je dis il va nous falloir énormément de logique. Processeur. Donc il va nous falloir du quartz. Ok. Euh, on va tout ranger le quartz. On va prendre un, deux stacks. On va reprendre un stack de redstone. Et, euh, et, et, et ça, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon. On va en faire combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 10. Voilà. Boom. 10 storage compartment. Ok, et ceux-là, on va pouvoir les stocker euh, les stocker ici dans des storage cells. Ok, donc on va en crafter encore une fois. Il va nous falloir du verre qu'on a. Et c'est bon. On a à peu près tout. On a juste en recrafter un petit peu. Voilà, 20, c'est déjà pas mal. Et euh, du coup, boum, 7. Hop, on va pouvoir les placer ici. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut en refaire est-ce qu'on peut en refaire Il va nous manquer quoi de l'iron Et l'iron, ça j'en ai masse. C'est pas un souci. Hop, pif. Euh, maintenant, c'est quoi qui va nous manquer Du euh, de la redstone. Ça nous manque énormément de redstone hein, aussi. Hein. Faut, faut, faut se le dire. Faut quand même pas mal de ressources pour commencer du appel énergétique. Donc voilà. Ok. Boom. Deux autres en plus. Ça nous fait un, deux. Ça a plus Ah si, il y en a là. Venez, venez avec moi. Je vous veux. Je vous veux dans mon équipe. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop, tout stocker à l'intérieur de, euh, bah de notre apply, tout simplement. Et regardez, ça prend ici des euh, types d'items. Donc ça, c'est good. C'est bien assez. Euh, on, en a, on en a assez avec tout ça. Hop, ce que je vais faire, tout simplement, ça va être très simple. C'est qu'on peut normalement se faire... Des exports et des imports. Alors, on a les export bus qui ne vont pas nous être utiles pour le moment, mais les import bus, par contre, eux vont nous être très utiles. Alors, pour faire un import bus, c'est très simple. Il va nous falloir un annihilation core. Ça, on en a un ici. Voilà. Il va nous falloir aussi du, euh, un piston. Tac. Il va nous falloir un, deux, trois, quatre. Hop, tac, tac, tac. Euh, et enfin, ici. J'aurais dû le faire dans, ma, dans, dans ça maintenant. Maintenant que j'ai mon applite, c'est vrai que j'ai plus l'habitude. <laughs> j'ai pas pris l'habitude encore. Hop, voilà. Euh, tac, tac, tac. Ok. Et du coup, j'ai dit export bus. Boom. Paf, pif, paf ouf. Ok. Super tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, bah, c'est que je vais pouvoir ici. Euh, bah tirer un câble et regardez ça va m'extraire petit à petit ça va être long ça va être long je vais pouvoir le faire aussi à la main hein, le faire ça comme ça euh, tout mettre dans mon dans mon applied on va tout ranger à l'intérieur voilà et euh, du coup, comme ça, je vais pouvoir avoir mon propre stockage. Bon, et eh ben c'est bien comme ça. On a notre petit applied. On peut débuter maintenant euh, assez tranquillement et sans pression euh, tout ce qu'on veut. Parce qu'on va avoir tout de stocké dans un seul et unique endroit. Et ça, c'est plutôt cool. On va faire un craft. Ok, pas de souci. Je veux faire quoi Une crafting table Enfin, un piston, boum, je fais ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Faut juste que je relie la cobble. Mais sinon, j'aurai tout ce qu'il faut quand j'aurai tout mis dedans. Ça va prendre pas mal de place parce qu'on a pas mal d'items. Regardez, on a déjà un, bientôt un deuxième de, un cas de plein. Mais c'est pas bien grave. Parce que clairement, ça va nous faciliter grandement la vie, tout ça. Bon, et ben vous savez quoi Nous sur ce, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas pour cela à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vais continuer à déplacer tout ça. Ce qu'on fera par la suite, c'est parce que là, c'est vraiment un tout petit applied. C'est que ce, cet, cet appli là on va l'agrandir, bien évidemment. Et on mettra en, en stockage les barrels qui sont là-bas. Et, et tout ce qui, qui s'ensuit. Bon, et ben voilà, ça c'est cool. Moi ce que je vais faire aussi hors caméra, c'est que tous les minerais ici, je vais les faire cuire. Comme ça, je serai tranquille aussi au niveau minerais. Ok, bon, et ben vous savez quoi, nous sur ce, on va se laisser là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme je l'ai dit, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à aller dans la description de la vidéo pour, euh, pour tout simplement... Tout simplement, euh, regardez mes publicités sur YouTube, c'est gratuit, vous ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une publicité qui dure à peine 30 secondes, euh, une ou plusieurs publicités, vous pouvez en avoir une, deux, trois par jour, ça dépend de la disponibilité des, des publicités, vous pouvez laisser aussi un petit message après chaque publicité regardée et chaque publicité regardée et message approuvé dessus, vous avez peut-être une chance un jour ou l'autre de me rejoindre sur le serveur Project Ozone 3, donc profitez-en, c'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. et moi moi ça m'aide grandement. Allez sur ce moi je vous dis à la prochaine. Ciao bye bye. Salut les amis.